Après les catholiques, que disent les églises de réveil? Comment voient-elles la préélection? Églises de réveil et églises catholiques et protestantes pourront-elles de nouveau un jour prier ensemble? Face à face spécial, je reçois ce lundi 4 septembre 2023 l'évêque général Dodo Kamba, président et représentant légal de l'Église du Réveil du Congo, président de la plateforme des confessions religieuses. Rediffusion ce lundi après le journal de minuit, mardi 5 septembre après le journal de 7h. Président et représentant légal de l'Église du Réveil au Congo, aujourd'hui nous recevons le président de la plateforme des confessions religieuses, monsieur l'évêque général Dodo Kamba, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes accusé par CENCO et ECC d'avoir imposé Denis Kadima comme candidat président de la CENI et d'avoir les mains liées au bénéfice des pouvoirs, parce qu'il n'y a pas eu que Tshisekedi, il y avait avant Kabila, le pouvoir Kabila. Alors aujourd'hui, je voudrais d'abord, avant de développer les sujets, de planter le décor. Retour bref sur la désignation du président Denis Kadima. Pourquoi l'avoir imposé lui? Je suis désolé, monsieur Christian, nous n'avons jamais imposé qui que ce soit. En ce qui nous concerne, nous n'avons jamais imposé Denis Kadima comme on l'a dit. Il faut rappeler ici que nous étions tous dans un format de la plateforme des confessions religieuses qui était dirigée par la CENCO, à la tête Monseigneur Outembi, un homme de grand esprit et d'une grandeur incommensurable. Il faudrait que je le dise comme ça. Parce qu'à un certain moment, il faudrait dire ici que c'est lui qui dirigeait. Hein, c'est lui qui dirigeait la plateforme et c'est lui qui a dirigé le débat lors de la désignation. Une mission qui nous a été assignée par le pays, par l'Assemblée nationale. Nous avons fait ce travail ensemble. Nous avons dégagé les options ensemble. Nous avons désigné et trouvé Denis Kadima ensemble, mais il s'est posé quelques soucis à un certain moment sur des éléments qui n'étaient pas. Nous sommes tout simplement restés accrochés à la bonne décision que nous avons tous prise. Et c'est comme ça que c'est arrivé jusqu'au bout. Et je pense que la raison qu'on nous a finalement donnée est due au simple fait que nous avions raison et tous les éléments étaient établis, toutes les preuves ont été fournies. Pourquoi lui et pas un autre? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que confession religieuse, ce n'était pas la première fois, les fois précédentes c'était à peu près la même chose, on arrive au clash pour la désignation d'une personne qui n'était même pas d'une de ces différentes confessions? Bien entendu, il est sorti d'une des confessions religieuses. Non, mais quand j'ai dit il n'est pas, on a dit que c'est l'église kimbanguiste qui l'a désigné. Tout à fait. Est-il kimbanguiste? La question se pose. On ne l'a jamais posé. Mais pourquoi en être arrivé au clash? C'est vrai que tout le monde était d'accord, mais deux confessions étaient catégoriquement opposées. Non, mais ils ont avancé leurs arguments, en fait, leurs raisons de pouvoir, qui les ont poussés à prendre cette décision. Mais les raisons n'étaient pas malheureusement fondées, parce que le problème était ailleurs. On en a déjà débattu autrefois. Et nous sommes arrivés à un point de comprendre que la raison, ce n'était pas seulement de pouvoir refuser la personne qui a été désignée par nous tous, mais c'était aussi derrière cela un autre plan de ne pas désigner. Il y avait un autre plan, il y avait carrément un autre agenda. Il ne voulait pas du tout que qui que ce soit se soit désigné. Absolument. Parce qu'il y avait un autre calcul après. Lequel? Nous pouvons le prouver. Parce que, en fait, pendant que nous étions en train de faire le travail ensemble à la CENCO, à un certain moment, il y a eu un groupe de jeunes qui sont venus, les groupes qui sont venus avec quelques jeunes qui sont arrivés, criant dehors. Alors, M. l'abbé Chollet, en son temps, est sorti à leur rencontre. Il va nous ramener un mémorandum, disant que voilà, vous faites attention, parce que là, il y a des gens dehors qui réclament une chose, tenez-en compte. On regarde, c'est quoi? Ne désignez pas. Nous ne sommes pas d'accord, ne désignez pas. Des gens étaient contre la loi organique.
Et nous avons dit, écoutez, c'est notre devoir. On nous demande de désigner. Nous courons derrière le temps. Nous ne voulons pas que le temps constitutionnel passe, les délais que tout le monde attend pour les élections. Nous ne voulons pas tomber dans une sorte de léthargie ou encore qu'on nous reproche de ne pas remplir notre rôle, notre devoir en tant qu'homme d'église, clergé et tout. Nous nous sommes imposés jusqu'à ce que ça nous a quand même pris du temps. On a levé l'option de pouvoir continuer là. Je salue la bonne foi de Mgr Otembi qui dirigeait en son temps. Donc, nous avons dû avancer, mais on arrive à un point, donc, ça bloque. Donc, si vous dites la CENCO ne voulait pas qu'on désigne, mais le président de la CENCO, Mgr Otembi, qui présidait les travaux, ne s'était pas solidarisé avec la position de sa... C'est un homme, par contre, qui est flexible, faut l'admettre, parce qu'à un certain moment, l'ont poussé. On a poussé contre l'avis de la CENCO et de l'ECC dans la salle. À un certain moment, il tranche et dit, écoutez, on peut continuer. Donc on avait 11 points à traiter ce jour-là et on a traité les 9 points. On était arrivé presque à la dernière où il fallait apposer nos signatures pour pouvoir, envoyer le rapport pour la personne que nous avons désignée. Et c'est là que ça... Il y a eu quelques soucis où quelqu'un parmi nous a dû soulever un point au niveau de l'ECC qui dit que malheureusement on a des soupçons, c'était qu'autour des soupçons de l'empruntance qu'on a donné à Denis Kadima. Alors c'est là où ça a commencé à poser des petits problèmes et nous avons tout simplement demandé des preuves de toutes ces accusations sur sa personne, alors que les tentatives précédentes, avant qu'on en arrive à cette désignation-là, ont fait à ce que, pendant qu'on était dedans, les autres fois, à l'époque de Ronsard Malonda, il y avait des chefs religieux qui ont dit clairement qu'on ne voulait pas d'un Kassaïa à la tête. Alors on a compris tout de suite à un certain moment qu'il y avait aussi un acharnement sur sa personne. Malheureusement, ses compétences, son expertise, son savoir-faire a fait que personne n'a pu douter de lui. On a trouvé d'autres raisons. Au finish, on s'attendait à un changement du narratif de leur part parce qu'on se disait les choses étaient tellement claires, mais malheureusement, ils n'ont pas évolué. Ils ont évolué aujourd'hui, heureusement, parce qu'ils ne remettent plus en question la désignation de Denis Kadima. Mais constat est fait que depuis la désignation de l'abbé Malou Malou, les autres confessions religieuses, les églises de réveil, musulmans, kimbanguistes et autres, ont toujours été en désaccord avec l'église catholique et les protestants. À chaque fois, catholiques et protestants vous reprochent de soutenir le candidat du pouvoir. Comment vous l'expliquez ? Nullement, ce sont de fausses accusations. Nous l'avons dit autrefois et j'y reviens. Nous sommes des hommes d'église. Lorsque vous accusez quelqu'un, il faudrait en avoir des preuves. Ici, d'abord, les gens ne le savent pas. C'est pour la première fois que dans la loi organique, on nous donne la permission de désigner directement le président de la CENI. Ça n'a jamais été le cas toutes les autres fois. Et c'est pour la première fois que l'on voit l'ECC s'aligner dans l'avis ou les avis de l'Église catholique. C'est pour la première fois. Toutes les fois, ça n'a jamais été le cas. Alors, il y a quand même... un changement dans tout cela. Oui, mais qui vraiment nous dépasse à un certain niveau. Oui, mais il y a une constance. Êtes toujours derrière le candidat qui appuie le pouvoir ou qui convient le plus au pouvoir, du temps de Kabila comme aujourd'hui du temps de Tshisekedi. J'aimerais clarifier là-dessus. D'abord, à l'époque de Kabila, je ne vais pas en parler parce que c'est déjà passé. Ce n'est pas le sujet dans l'actualité. Je prends l'exemple de celui que nous avons sur la table pour le processus de 2023, comment allez-vous dire que nous soutenons les candidats du pouvoir ?
parce que Denis Kadima ne venait pas du pouvoir. Oui, mais... Aujourd'hui, si l'on doit lui donner ses empointances, c'est tout simplement parce qu'il serait kassaïen de la France, du chef de l'État. Non, on dit que ce n'est pas le cas. Parce que nous pouvons le prouver. Le reste des candidats ont été reçus plusieurs fois par les chefs de l'État. Et les empointances, aujourd'hui, du pouvoir envers l'Église catholique sont connues. Aujourd'hui, le chef de l'État, nous l'avons dit, il a toujours été beaucoup plus proche de l'Église catholique que nous autres. Alors, s'il faudrait nous dire que nous jouons le jeu du pouvoir, le jeu du pouvoir, je suis désolé, je ne pense pas que ce soit le cas. Nous sommes d'ailleurs le plus marginalisé, on le dit toutes les fois. Je l'ai toujours réclamé, on a toujours dénoncé cette manière de faire. On est toujours marginalisé, on nous met en arrière-plan. Et puis, on n'a pas d'accompagnement. Oui, mais vous dites que vous êtes marginalisé, mais vous avez soutenu Ngoï Moulunda, vous avez soutenu avant lui l'abbé Malumalu, paix à son âme, vous avez soutenu Corneille Nanga, et vous avez même soutenu Ronsard Malunda. Pourquoi toujours avoir été derrière celui, allez, si on ne dit pas pour le pouvoir, celui contre qui l'Église catholique ou celui que l'Église catholique ne voulait pas voir désigné? En tout cas, je ne voudrais pas engager ici une discussion qui nous ramène vers le passé et puis qui risque de ne pas avoir beaucoup trop de preuves quant à ma défense. Mais je préfère parler du cas actuel. D'accord. Aujourd'hui, dire que M. Denis Kadima, qui est aujourd'hui à la tête de la CENI, vient du pouvoir, ça m'étonne énormément. D'abord, il est venu comme tous les autres candidats et nous l'avons désigné ensemble. Je préférerais dire ceci. Nous avons toujours été du côté de la vérité où les choses semblent être claires. Malheureusement, les amis de l'autre frange, d'autres confessions religieuses, je dirais les cas de la Cinco et les autres, préfèrent jouer ces jeux-là. Oui, mais quand ne vous... pas être responsable. Oui, mais parfois, ils participent, à un certain moment, ils se rétractent. Oui, mais d'accord, mais quand vous dites vous avez joué le jeu de la vérité, aujourd'hui, la vérité, c'est que la CENI, depuis, a évolué, que la CENI, même si certains disent que tout cela se passe bien, il y a beaucoup de critiques, cartes notamment des lecteurs et autres, audites, mais jamais on ne vous a entendu vous critiquer cette CENI. Vous allez toujours dans le sens de ce que fait la CENI et comme beaucoup au pouvoir hier et aujourd'hui disent oh, la CENI indépendante on ne commande pas, ceux qui ne commandent pas disent ou se classent ou se cachent derrière le fait que la CENI fait du bon boulot. Est-ce aussi aujourd'hui, vous pouvez nous dire aujourd'hui que vous êtes satisfait à 100% de ce qu'a fait la CENI? Dire qu'on est satisfait à 100%, ce ne serait pas correct. Mais on est tout de même satisfait. Parce que, en fait, nous avons posé des préalables au début, avant de désigner. Et tout ce que nous avons posé comme condition ensemble, nous voyons ces choses être respectées. Et en avançant, nous voyons qu'il y a une clarté dans leur approche. Et les petites fautes et erreurs sont minimisables, il faudrait les dire, parce que on trouve toujours l'occasion de leur rappeler ce qu'il faudrait faire, d'une part, là où il y a peut-être de rater, mais dans l'ensemble, au fond, nous devons accepter qu'il y a eu un très grand progrès. Et nous ne sommes qu'autour de la vérité. Ici, je vous dis une chose, les gens ne le savent pas. Je répète, je l'ai dit à l'entrée, que nous comprenons, parce que là je parle au nom de tous les autres chefs de confession religieuse, les chefs de confession religieuse dans notre plateforme bien sûr, que ici nous détectons une manœuvre de la part de nos bien-aimés de l'autre frange qui veut tout simplement boycotter le travail qui est fait, qui ne veulent pas des élections. Quel serait leur intérêt de ne pas vouloir des élections? Mais lorsqu'on soutient
la thèse d'un politique, de quelqu'un qui pense que les élections ne sont pas les bienvenues et que, d'une part, vous partagez les mêmes avis par rapport à vos intérêts qu'on ignore, c'est cette manière de se comporter. Parce que ça se voit. C'est aussi ce qui vous reproche, de faire le jeu d'un politique. Donc, politique contre politique. Je vous donne un exemple. Les religieux sont devenus plus politiques que les politiques mêmes. Aujourd'hui, je le dirais à l'égard, par contre, de nos bien-aimés de la Cinco. Parce que je ne peux pas aujourd'hui directement accuser l'Église catholique. Je sais que c'est une très bonne Église. Il y a des croyants qui sont restés cohérents et, dans leur foi. Mais il y a quelques personnes qui font mal les choses, malheureusement. Qui travaillent pour les intérêts de quelques-uns. Aujourd'hui, puisque vous les dites, vous nous avez déjà vu, nous, de notre côté, des chefs religieux, défendre un seul politique par rapport à ses avis, par rapport à ses intérêts, par rapport à ce qu'on lui fait, par rapport à ce qu'on lui reproche ou quoi que ce soit. Mais nous avons entendu plusieurs fois les clergés de l'autre côté défendre de certains politiques où on sent qu'il y a un intérêt personnel et particulier pour quelqu'un. Nous ne l'avons jamais fait. Et dans notre manière de fonctionner, ne serait-ce que par notre foi, notre manière d'approcher et de comprendre les choses, et l'éthique même pastorale, nous interdit de prendre part de cette manière des politiques aussi ouvertement. Nous avons des sentiments, nous avons des membres de famille, nous avons des frères, nous avons les membres de nos églises qui sont dans la politique, clairement versés, mais nous restons cohérents en tant qu'hommes d'église. Ici, je le dis et je le répète, l'agenda caché de l'autre côté, c'était qu'on ne désigne pas. On en arrive à un point où les choses vont capoter parce qu'ils ne veulent pas du pouvoir qui est en place. Ils ont peut-être leur raison de le vouloir, mais nous cherchons la paix, la quiétude de ce peuple. Et nous pensons qu'en ce net moment, vouloir le chaos dans le pays, jeter le feu dans ce pays, ce serait détruire même l'avenir de notre nation. Alors que nous avons déjà fait un très grand pas. Aujourd'hui, on reprochera Kabila de tout, mais quand même, il est arrivé à un point où il a organisé les élections, il y a eu l'alternance. Il faudrait qu'on maintienne au moins cette allure. Ne serait-ce que jeter le pays dans le chaos maintenant, ne pas vouloir aller aux élections en ce moment, c'est être ennemi du peuple, ennemi du pays. Et là, j'en appelle à la conscience de tous les catholiques qui sont de bonne foi, je le sais, et je l'avoue ici, j'en ai rencontré quelques-uns, de rappeler un peu les clergés. Nous avons le devoir de prêcher l'amour, de prêcher la vérité, et de ne pas prêcher la haine, de ne pas prêcher le tribalisme. Nous avons reçu le devoir de prêcher la paix et de promouvoir celle-là, car le développement dépend de la paix d'une nation. Je rappelle ici que le pape, quand il est venu, il a demandé, ici j'apprécie énormément l'approche du pape, j'ai demandé à tous les clergés de suivre le pas du pape François. Le pape François qui a dit ouvertement des choses. Il a rappelé à l'Occident de retirer sa main de l'Afrique, disant qu'il n'y a pas une mine ici où tout le monde viendra chercher à gagner. Au fait, il a rappelé tout le monde à pouvoir le faire. Il a rappelé même aux clergés de remplir bien leurs devoirs sans avoir de pensée mercantile dans leur tête. Vous pensez aujourd'hui que tout ce que fait ou font les responsables de l'Église catholique ne sont dominés que par des intérêts politiques privés ? Parfois égocentriques, tournés vers les intérêts, je dirais, égocentriques et personnels. Pour soutenir quelques-uns qui sont de leur obédience. Vous pensez que la Cinco n'a pas raison de faire les critiques, notamment qu'elle fait sur l'audit tel qu'il a été réalisé par la CENI ? Critique, oui, mais aller jusqu'à ce niveau-là, où il faudrait prôner le chaos après la publication des élections, c'est dangereux. Et c'est là où j'ai dit, je demande même à nos services de pouvoir ouvrir l'œil là-dessus. Parce que, après tout, nous sommes les hommes d'église. Nous avons notre mission.
principale de promouvoir la paix et de prêcher l'unité et la cohésion nationale. Mais si, à un certain moment, en dépit de notre mission évangélique en tant qu'homme de Dieu, nous arrivons quand même à prôner les chaos jusqu'à dire, à décrire même comment le scénario peut se passer et que ça se prépare, on prépare les terrains à un courageux de prendre les choses en main. C'est-à-dire, là, c'est l'apologie carrément du coup d'État que nous dénonçons ici. Un homme d'Église ne peut jamais dire ça. Et finalement, je demande à tous les chrétiens et tous les croyants de s'élever. Ça, c'est une tentative de mettre le pays dans le chaos. Et nous n'allons pas laisser baisser nos bras. Nous le dirons à haute voix, et je le dis, j'en appelle à la conscience de tous les hommes d'Église, tous les chefs religieux, de pouvoir ouvrir l'œil. Nous n'allons pas laisser notre pays être embrasé de cette manière par un discours irresponsable. Je suis vraiment désolé. Parce qu'il faut quand même tenir compte de nos fils et de nos filles. Il faut tenir compte de la population et de l'avenir de cette nation. Ici, en homme libre, je le dis, il y a un agenda caché derrière le propos de quelques responsables de la CINCO. Et je l'ai dit, je l'assume, il y a un agenda caché. Les langues commencent à se délier. On a entendu quelque chose dernièrement, et moi, ça me dérange en tant qu'homme d'Église. Je me sens gêné. Une honte même. Aujourd'hui, les hommes d'Église sont membres de la plateforme des confessions religieuses, qui a été quand même créée en 1991. C'est pas nouveau. C'est vrai que vous êtes en total désaccord pour le moment. Est-ce qu'il est possible, au sein de cette plateforme, aujourd'hui, de régler ces mésententes et peut-être d'appeler les uns et les autres au retour à la foi et au texte ? Tout à fait. Est-ce que vous pouvez, parce que j'ai posé la question à Mgr Chollet ici, est-ce qu'on peut penser vous revoir tous ensemble un jour ? Tout à fait. Est-ce que vous l'êtes toujours ? Je le crois. Parce que déjà, pour le moment, je peux dire qu'on n'a pas... On ne vit pas dans la haine en tant qu'homme de Dieu. Nous nous entendons bien pour bien d'autres choses. Mais il y a des certains points qui, aujourd'hui, créent une divergence. C'est tout à fait normal par rapport à nos approches et notre manière de définir les choses. Mais je crois que dans l'avenir, parce que nous avons été ensemble, c'est toujours possible que nous revenions sur une même table, discuter sur la situation du pays et des décisions à prendre ensemble. Malheureusement, comme vous l'avez dit tout à l'heure à l'entrée, vous n'êtes pas revenu là-dessus, on nous accuse d'avoir les mains liées alors qu'on ne sait pas le prouver. Nous n'avons pas les mains liées. Et je le dis ici, notre souci primordial, c'est ces peuples qui souffrent avec nous. C'est ces peuples qui aujourd'hui, à la risque du monde, de tous ces gens qui nous entourent, des pays voisins et restent. Et c'est notre souci quotidien. Nous avons aujourd'hui des églises partout à travers la République. L'église de réveil. L'église de réveil et d'autres frères. Des églises de réveil. Et nous ne pouvons pas accepter que ce pays soit dans cette situation longtemps, en souffrant pour ça. On va parler de ces églises, mais est-ce que vous, pour revenir au processus électoral, vous comprenez la position de Martin Fayulu et de FCC par rapport au processus électoral en cours du fait de ce qu'ils appellent manque de clarté, manque de transparence dans l'organisation de ces élections? Est-ce que vous les comprenez? Moi, j'ai défini la démarche du président Martin Fayulu comme un travail de sonnette d'alarme pour peut-être éveiller la conscience de ceux qui travaillent sur la boîte, je parle de la centrale électorale, et je pense que pour l'avoir déjà rencontré une fois et j'ai entendu comment il réfléchit, c'est quelqu'un qui peut évoluer au fur et à mesure. Donc vous le comprenez. Je le comprends et je pense que c'est apprendre peut-être d'une façon à pouvoir arranger, si ça peut être possible, hein, au niveau de l'organisation de la centrale électorale. Mais je ne pense pas qu'il soit rester dans une position très radicale jusqu'à refuser, à rejeter tout en bloc. Je crois qu'il va évoluer en tant qu'homme politique, je le crois. Oui, mais lui et CINCO et ECC sont à peu près dans le même dynamisme. Le CINCO et ECC qui propose un audit citoyen qui pourrait ramener Martin Fayulu dans la course. Alors, Martin Fayulu pour tirer la sonnette d'alarme, CINCO et ECC un peu dans la même dynamique. Vous êtes d'accord avec cette proposition d'audit citoyen?
Non, moi je dirais, par contre, il y a quelque chose qui me fait rire. J'ai trouvé très paradoxal lorsque, enfin, le discours de l'un des clergés de la Cinco que vous avez reçu récemment, qui lui-même, à un certain moment, a donné un conseil au président Martin Fayoulou, il a dit ceci exactement, qu'il comprenne. Ça ne sert à rien de rester en dehors du processus, d'entrer et d'avancer, qu'il s'assure seulement au niveau des observateurs et des personnes, des témoins qu'il va mettre dans chaque bureau, il aura les résultats. Il a dit cela chez vous ici l'autre fois, mais je dirais de même à eux. Au lieu de se cramponner cette situation de l'audit et tout ça, parce que ce n'est pas leur travail, il faudrait l'avouer, il faudrait le dire ici à haute voix, ce n'est pas leur travail. Même si je peux être un bon communicateur, mais je ne serai jamais comme Christian. Je ne suis pas communicateur, je suis journaliste. Je ne communique pour personne, je pose des questions. mais aujourd'hui, quelles recommandations pourriez-vous faire à l'actuel CENI pour plus de transparence et, plus d'inclusivité dans le processus qu'elle mène, puisque vous êtes d'accord avec Martin Fayoulou, vous comprenez Martin Fayoulou. Tout à fait. Vous saluez la proposition de l'Église de faire que Martin Fayoulou entre et multiplie les observateurs. Et à la CENI, on l'a dit, hein, vous critiquez que très rarement la CENI. À la CENI, vous recommandez quoi? On l'a déjà dit autrefois et j'y reviens. Nous souhaitons que les élections soient inclusives. Ça, c'est un souhait. Mais dans les faits, aujourd'hui, qu'est-ce que la CENI devrait faire pour assurer tout le monde? De respecter les textes, d'abord, de ce qui a été promis au niveau de la loi, au niveau de la loi électorale, de respecter le calendrier électoral, là, nous martelons là-dessus. À tout prix. À tout prix, il faudrait que la calendrier. Même si transparence, il n'y a pas. Non, j'y arrive, en fait. Il faudrait que la CENI respecte également des certaines normes, notamment la transparence. Et elle nous a garanti cela. Pour le moment, on observe des recommandations que nous avons faites, tous. Nous attendons. Et nous croyons qui sont de bonne foi, tous ceux qui travaillent dessus, c'est-à-dire en commençant par le président et toute son équipe, ils sont de bonne foi pour nous rendre des élections qui soient crédibles, transparentes et inclusives. Mmh. Et qui se fasse dans le délai constitutionnel. Monsieur l'évêque général, Jeune et les Mboyamboka, c'est le thème de l'activité que vous organisez le samedi 16 septembre au stade Tata Raphaël. C'est à l'attention de la jeunesse congolaise. Quel est le but de cette activité? C'est pour réunir les jeunes, dans notre pays, qui sont dans des différents domaines. Leur donner une orientation autour de la prière, bien sûr, mais quelques conseils et les responsabiliser par rapport à leurs devoirs dans leur nation et en plus pour l'Afrique et le monde. Pour leurs devoirs dans la nation ou pour leurs devoirs à l'arrivée ou à l'approche des élections? Il y a également cet aspect, l'approche des élections, l'attitude à prendre. Et il y a des jeunes qui postulent en même temps d'être responsables. Parce qu'il y a un comportement qu'on a observé depuis un certain moment, que nous n'approuvons pas, où le jeune a pris l'habitude de pouvoir peut-être s'appuyer sur l'argent, sur le matériel, lors des désignations, lors de votes, ce que je voulais dire. Alors, nous voulons leur passer un message à leur responsabilité, surtout de la jeunesse, de pouvoir être conséquent et cohérent en même temps, et autour de la foi et dans la vérité de la Bible. Des consignes de vote? Vous avez dit? Vous donnerez des consignes de vote? Du tout, je ne peux pas. Certains disent. Par contre, j'encouragerai les jeunes et qui sont en train de postuler. Je demanderai aux gens de choisir avec objectivité.
Il ne faudrait pas choisir quelqu'un, forcément parce qu'il vient avec l'argent, mais s'il peut y avoir un jeune, parce que tout le monde aujourd'hui parle du renouvellement de la classe politique et des changements à tous les niveaux. Nous voulons que la jeunesse prenne la relève, que la jeunesse soit responsable, mm-hmm. et à tous les niveaux. Au FCC, on dit ceux qui participent aux élections, ce sont ceux qui sont de l'Union sacrée. Aujourd'hui, vous les incitez à participer en tant qu'Union sacrée ou en tant que jeune? On vous dit proche du président Tshisekedi, ce n'est pas une pré-campagne pour les élections, ce que vous êtes en train d'organiser le 16, du tout. Cette réunion? Du tout, rien à voir avec tout cela. D'ailleurs, lors d'une rencontre que j'ai organisée, j'ai reçu également quelques jeunes qui postulent pour le compte de l'ensemble et bien d'autres. Donc, je n'échange pas seulement avec les jeunes de l'Union sacrée, j'échange avec les jeunes en général, surtout chrétiens et croyants. C'est autour de ça que je suis. Mmh. Les jeunes que vous mobilisez aussi pour être observateurs, parce qu'on a beaucoup parlé de l'observation. Vous aurez beaucoup d'observateurs, vous, à ces élections. Est-ce que vous avez fait accréditer des témoins pour le processus électoral? Oui, oui, nous l'avons déjà fait, mais ce sont des moyens qui vont venir. Vont venir d'où? On a tendu la main à quelques organisations internationales. Hein. On a écrit à notre niveau, au niveau de la plateforme. Nous avons une mission d'observation, on a écrit, on attend le moyen. Mm-hmm. Mais je crois que au finish, même nos fidèles pourront toujours rassembler un peu de moyens pour qu'on observe. On va observer et je vais conscientiser les jeunes à le faire. Moyens vers les organisations internationales qui, quand elles viennent ici, notamment pour parler d'élections, font plus appel à Cinco et ECC? Ben, écoutez, nous sommes en train de fournir un très grand effort de pouvoir atteindre toutes ces organisations pour qu'ils comprennent et qu'il y a tout intérêt à écouter toutes les franges et avoir aussi d'autres sons des cloches. Parce que ne se limiter qu'à leurs avis, je pense que ce ne serait pas cohérent. Ni responsable. Parce que tous nous avons le souci d'esprit. Est-ce qu'ils n'écoutent pas plus les autres? Parce que l'Église catholique et protestante font plus au quotidien pour le social, pour les populations, que l'Église de réveil. On les voit notamment beaucoup dans l'éducation. L'Église catholique, il n'y a rien à dire, certains vous le diront. Les Églises de réveil, c'est peut-être une des églises au bénéfice de certaines personnes, mais l'Église catholique déploie des moyens conséquents au bénéfice du peuple. Non, mais je dirais, ça n'a rien à voir avec tout cela. Malheureusement, nous sommes des clergés, nous sommes des hommes d'église. Hein. C'est mieux de nous écouter tous. Aujourd'hui, parler des œuvres sociales, ce que l'Église catholique fait, l'ECC, c'est parce qu'il y a un appui, un accompagnement sérieux de la part du gouvernement. L'Église catholique. L'Église catholique, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, on parle $1 million dans chaque diocèse. Vous pouvez le vérifier, déboursé par le gouvernement congolais. Il y a 39 diocèses, à ce que je sache, à moins que j'oublie. Donc, il y aurait au moins $39 million disponibilisés pour l'Église catholique, pour l'accompagnement des écoles. Et nous faisons avec nos moyens propres, nos moyens de bord. On ne peut pas nous comparer à eux. Nous avons à notre niveau des œuvres que nous réalisons, des écoles, des hôpitaux que nous avons déjà réussi à établir, mais avec le faible moyen, on ne sait pas nous comparer. Et je le dis ici, à haute voix, quiconque voudra l'entendre, je le dis à haute voix, vous pouvez vérifier, il y a une subvention qui vient du gouvernement, qui vient de l'État congolais, et pouvant accompagner l'Église catholique et même l'Église protestante pour la réalisation de certaines choses, de certaines œuvres sociales, notamment les écoles et les hôpitaux et autres. Nous n'en avons même pas $1 000 pour cela, en dépit de cela. En dépit de ce qu'il y a $39 million pour les diocèses, ici, en RDC, les enseignants sont encore payés par le gouvernement, chaque mois. Et nous n'avons pas tout ça, nous autres. Nous nous battons
avec le faible moyen que nous avons, il faudrait nous comprendre. C'est pas facile, c'est pas facile du tout. Et mais je crois que le jour qui vient, nous pourrons toujours relever les défis. Nous sommes habitués à nous battre seuls. Et là, je demande aussi aux membres du gouvernement d'être à un certain moment équilibrés, d'être juste pour pouvoir aussi penser à nous autres, ne serait-ce que des terrains, ne serait-ce que des endroits, des espaces pouvant nous permettre d'ériger, d'établir, de construire et ainsi de suite. Les catholiques sont plus nombreux ou moins nombreux que les églises de réveil? Non, je vous donne un exemple. Nous sommes en Galiéma ici, prenez le tronçon qui quitte l'entrée Montfleury, vous allez jusqu'au Palais des Marbres. Comptez, il y a combien de paroisses? Saint-Luc. Saint-Luc. Vous pouvez compter, il y a combien d'églises? À notre tendance, quelques centaines. Et c'est un phénomène sur toute l'étendue de la République. Sur toute l'étendue de la République. Vous prenez première rue limitée, jusqu'à l'aéroport, il y a combien de paroisses? Peut-être 3 ou 4. Mais je vous pose la même question. Comptez, il y a combien d'églises? Quelques milliers. Oui, quelques milliers. Mais c'est peut-être aussi peut-être dû au fait que d'organisation, d'unité entre vous, il n'y a pas. C'est à ce sujet que je suis en train de travailler. À notre niveau, nous nous battons pour reconstruire cette unité. On a reçu beaucoup de combats, enfin on a connu beaucoup de combats dans ce sens. On a voulu vraiment à chaque fois nous diviser, nous mettre en mal dans nos relations. Mais cette fois-ci, nous sommes en train de travailler là-dessus. Pour reconstruire, reconstituer cette unité qui a été détruite. Et à ceux qui disent l'Église catholique réveille les consciences, et les églises de réveil les endorment, que dites-vous? C'est faux, et archi faux. Aujourd'hui, nous élevons notre voix pour dire ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Je dirais par contre que notre voix n'était pas entendue autrefois. Et aujourd'hui, on peut nous entendre. Et le monde, en commençant par notre pays, saura. Le pays saura, et le monde saura en son temps, ce que nous pensons, ce que nous prenons, ce que nous disons, ce que nous défendons, ce que nous enseignons, ce que nous sommes réellement. Et c'est question de pouvoir nous organiser à un certain niveau. Nous avons beaucoup de vertus au milieu de nous-mêmes. Mais ici, je ne parle pas au nom de notre église RC, Église du Réveil du Congo, mais je prends la parole ici pour le compte de toutes les autres confessions religieuses qui souffrent de la même chose que nous. En tant que président de la plateforme, nous disons, nous avons notre manière de voir les choses. Nous voulons faire entendre la voix de la paix pour notre pays. Ici, nous dénonçons une attitude très méchante à l'égard de la population. Et nous éveillons la conscience de tout le monde. Et c'est le travail que nous allons faire jusqu'à ce que les élections passent et nous nous assignons cette mission jusqu'à la fin. Nous n'allons plus parler au niveau de nos quatre murs, dans nos églises, dans nos organisations, mais nous allons faire entendre notre voix de manière à ce que tout le monde comprenne ce que nous sommes en train de faire, c'est à quoi nous nous attendons également.